Salut tout le monde, c'est Seb, bienvenue dans ma 11e vidéo de Far Cry 3. Donc vous vous souvenez, on était rendre visite à Buck, qui détient notre ami, et nous a donné donc une mission en échange de sa libération. Donc là, on peut lui parler, on dirait. Sheila, merci d'être venu me voir. J'ai un grand respect pour ce que tu fais. Les gens ici ont besoin de voir que les pirates peuvent être vaincus. Que tout comme nous, ils saignent et ils meurent. C'est pourquoi j'ai besoin de toi. Qu'est-ce que je peux faire? Prends des photos de pirates morts à l'extérieur du village. Pourquoi? Pour que les villageois voient qu'ils n'ont rien à craindre. Ils nous demandent de faire des photos de pirates. On va faire ça. Là-haut. Pour ce qui est de mon souci de montage du jeu, j'ai regardé, c'est pas une nouvelle version de Fraps sur son site de Fraps. J'ai vu qu'il y avait une nouvelle version mise à jour. Donc je vais tester ça, voir ce que ça donne. Donc là, je vois qu'il y a un tigre. Donc je vais voir ce que ça donne, si le jeu est plus stable ou pas. Vous l'aurez remarqué, je cherche pas avec des tigres. Donc déjà, première vue, le jeu a l'air plus fluide. Après, ce qui est plus stable, ça, c'est encore autre chose. L'appareil photo, l'utilise comment, comme ça déjà. En plus, j'ai compte d'avoir un pirate que par ici, si je me souviens bien. Oui, c'est jaune, c'est parce qu'il y a quelque chose, mais on voit rien. Ouais, on va pas chercher Vadriner, il est quelque part ici. Je vais tout prendre. Excusez-moi, je cherche un petit peu les touches, je ne me souviens plus. Donc déjà une de prise, donc là on le voyait pas, il était dans les herbes. Ça, cette mission-là, j'avais déjà fait par le passé, j'ai cherché un petit moment après le corps et finalement on le voyait pas, il était là-dedans. Donc on va chercher après le deuxième corps de pirate. Ah oui, largement, le jeu est largement plus fluide. Ici, voilà. Tout ce qu'on a à faire, c'est de prendre en photo. Le troisième, il est là-haut. Il était là. Ah, tu vas le sentir partout. Je suis massé des corps de pirates, toi. Oh, je suis massé. Donc voilà, ça c'est fait. Donc on va retourner. Je sais bien voir le gars pour lui dire que c'est fait. Oui, on va retourner. Donc au village. Bon, vous l'aurez sûrement remarqué depuis le début du jeu. Hein. C'est très très rare que je confectionne des soins. En général, on en ramasse assez régulièrement. Mais si je restais bloqué, je passerai à passer. Pour bien faire.
Enfin, je suis un peu le tuyau. Enfin, le tuyau, c'est pas grave. Ici, oui, le jeu est beaucoup plus fluide, cette version-là de Fraps. Moi j'adore être en Quentin, c'est facile, il suffit de se laisser porter, se laisser porter, ouais, se laisser porter. Voilà, une mission de fête. J'ai pris les photos. Ah, bien, bien, ça les aidera à comprendre. Ouais. Très beau travail, ah oui, Jason. Je ne peux pas m'empêcher de les regarder. Ça suffit. C'est bon. Sublime. Il faut que je vérifie bien ces clichés avant de les exposer. Excuse-moi. Je sais pas pourquoi, mais je crois que ces photos ne sont pas prêtes d'être affichées. Voilà. Donc là, on doit maintenant aller où? On va regarder sur la carte. Oui, donc on doit aller dans un fameux bateau qui est en pleine mer. Nostalgia. Donc là, on essaie de faire avec un crocodile. Et c'est vraiment le jeu, on a vraiment peur sur un crocodile à chaque fois qu'on passe une rivière. Donc je vais pas traîner, hop. Voilà. Logiquement, il devrait y avoir un delta plane là-haut. Magnifique, hein. C'est vraiment un beau jeu. On va traîner ici, je vais quand même mettre 500 mètres à faire, mais comme le bateau est en pleine mer. Oula, oula. Oula, j'ai pas vu Yasko. Oh, j'ai pas vu Yasko de corne là. J'ai vu qu'il voulait me charger, mais je pensais pas qu'il y avait personne. Oh, dégueu. Bon, moi j'ai du buff d'avance. Alors, voilà, il est ici. Et le bateau est normalement en face de moi. Oui, c'est... D'accord, un petit bug graphique. Logiquement, le bateau est même là-bas, si je me souviens bien. Même encore plus loin. Bon, ce serait celui-ci. Oh, je me souviens plus, on n'arrive pas à le voir. Bon, salut tout le monde. Alors, on se retrouve dans la suite de la partie de Far Cry 3. Donc, ce que j'ai fait, j'ai rechargé à partir d'ici. Tout à l'heure, je vais jouer donc jusqu'à ma mission qui est d'aller jusqu'au bateau. Mais le jeu a planté là-bas, donc pour pas vous faire deux fois le trajet et tout ça, je vais recommencer d'ici. Allez, on est parti. On prend le delta plane, on y va. Donc je fais des recherches dans les pilotes et tout ça, tout est à jour. Tout à l'heure j'ai eu droit aussi un gros bug. Comme en plein jour, un petit peu comme maintenant. Je sais pas ce que vous en pensez, l'eau est bien claire là. Je sais pas ce que vous en pensez.
Bon, on va pas chercher l'explication. On va continuer à jouer. On va faire la mission dans le bateau. Mais bizarrement, l'eau est bien bleue. D'accord, donc maintenant on a des requins sauteurs. On va sniper. D'accord, et nous avons un requin qui a bugué. Oui, donc je pense que le jeu a bien bugué. Malheureusement. Allez, on va faire comme si on n'avait rien vu. On va jouer le niveau. Faire l'infiltration, mais comme ce niveau là de bugué, je sais pas ce qui se passe là dans ce jeu là. La dernière fois c'était pas aussi bugué, la dernière fois que j'ai joué. Tant pis, on va le faire à l'arrache. Ça c'est un petit peu extrême pour un sniper. On va essayer de faire une exécution pour celui-ci. Encore le mec qui regarde à travers un mur. Bon, bah, l'exécution est ratée. Mais la mission est réussie. Donc je dois aller dans cette porte-là. Et si maintenant la mer a retrouvé une couleur normale, ouais, je vous dis, le jeu a carrément bugué tout à l'heure. Bon, allez, c'est pas grave. Non, j'espère juste qu'on n'aura plus de plantage. On a besoin de ces infos. Ce sniper pour garder le silencieux. Je suis dans les tout seul. Jusqu'à ce qu'il se sauve grâce aux données de l'ordinateur. On doit accéder à cet ordinateur. Bordel de merde! Pirates sur ce rafio.
tout à l'heure, tout à l'heure. Ouais, d'ailleurs, sans une alarme en dessous. Sûrement. Tu es où? C'est pas grave, ouais. Joue pas avec moi, cocotte. Je te trouverai. Sors de ton trou. Allez, s'il te plaît. Voilà, on va peut-être s'occuper de cette alarme. Ah oui, il y en avait une juste en dessous. D'accord. Voilà. On va essayer de pas tomber à court de munitions. Voilà, quand on a eu. Allez, on continue. On les soins. Bon, ça c'est bon, son arme je la laissais. Je sais pas pourquoi, mais je suis un coup fourré. Je parie que l'emplacement du couteau est sur cet ordi. Le voilà. Cette boussole doit être importante. Elle mène peut-être au couteau. Ordi de merde. C'est quoi ce merdier? D'accord. Allez, est parti. On va se dégager d'ici. Vous arrivez à voir quelque chose. Je raconte pas, le sol qui est pas droit, c'est super chaud. Mais...
comprends pas. On y va. Jason, réveille-toi. Debout. T'es sans doute heureux dans ton petit monde de fleurs et d'amour. Mais il faut plus que tu dormes. Debout. Il était temps. Alors, tu l'as ou pas, mon cadeau? Il était pas sur le bateau. Oh, Jason. Keith va vraiment être déçu, je pense. Aux dernières nouvelles, il était déjà pas au top. Pourquoi est-ce que vous me dites ça? Va savoir. Faut qu'on s'amuse, mon chou, ça te fera du bien. Et t'aurais pas trouvé une boussole. Excellent, je te félicite. Alors, selon les infos, il faut suivre la boussole. Heureusement que vous êtes là. Ouais, je sais. Alors, t'arriveras à te débrouiller tout seul? Kiss a besoin de moi. Ciao. Voilà, donc on a survécu au Nostalgia. Là, c'est franchement tendu. Donc là, nous devons aller voir Buck, si j'ai bien vu la mission. Si ça veut bien se mettre dessus, oui. Je vois que j'ai un camp pas loin. On va peut-être se le faire. Donc, Disquetos. Je vais changer d'arme. Donc vous voyez, non, l'eau est redevenue normale, elle est plus buggée comme tout à l'heure. Bon, bref. Donc on va au niveau à l'action, allez. Merde, ça file. Je le vois, il est là. Je le gâte, vous avez vu. Elle a eu cette alarme. Ah mince, il y avait une deuxième. On y sera dans 30 secondes. On arrive par le sud. Lâcher l'ours. Là, j'ai vraiment failli passer. Je suis
j'espère que l'ours... j'espère que je vais pas allumer en ayant pété de baril tout à l'heure. A voir, non, ça va tirer sur quelque chose. Ah zut! Ah le dernier! Bon bah là je suis vraiment mauvais là sur les 3 dernières vidéos là, je fais que de mourir. Ah je suis vraiment désolé, là je suis vraiment n'importe quoi. Je vais aller un petit peu trop vite, j'observe pas avant d'entrer dans le camp. Ce qui me stresse c'est qu'à chaque fois ça revienne sur cette bombe à chaque fois que je change d'arme. Voilà, ça devrait aller mieux comme ça. Donc là, faut que je fasse d'abord Serradio. Alors, là, on a un endroit de snipe. Trois snipes. La radio, elle est juste là. La radio en moins. Si tu as moins, ça te fait. Zut, c'est encore raté. Ah là 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 là! Laissez-moi mettre une heure à se faire! Je regarde si j'ai pas des nouveaux tatouages débloqués là, parce que j'ai l'impression que j'ai un petit peu de temps à me soigner là, c'est un petit peu chiant. Bon, salut tout le monde! Alors, après un deuxième plantage du jeu, encore une fois, on se retrouve donc au camp que je n'ai toujours pas su prendre. Alors, le genre, encore une fois, planté pendant que je t'aurai fait mes compétences. Ça commence déjà à m'agacer là. Surtout les soins que je voudrais avoir. Thank you.
soins pour l'instant c'est fait. Piotage fluide, on s'en fout. Celui-ci je l'ai pas fait, c'est quoi? Ce camp là, si tu peux arrêter de toujours le prendre, ça serait bien. Alors, j'en prends le sniper. Il fait trop chaud pour travailler. Lâche-moi. Attention, attention. Bordel de merde. Je vais faire la radio pendant qu'ils sont coupés avec l'ours. C'était quand même plus facile que tout à l'heure. Donc là en temps de vidéo je ne sais pas combien j'en suis à cause des pontages de tout à l'heure. Donc on va peut-être se faire encore une petite mission rapidement. Alors vous dire d'où viennent les plantages, je n'ai aucune idée. Le jeu est hyper fluide, je donne un menu, ça plante, je ne comprends pas. Parce que c'est une mise à jour qu'ils ont fait, que le jeu peut planter, j'en sais rien. Pourtant, je viens de vérifier, mon pilote est bien à jour au niveau de la carte graphique. Je peux jouer à d'autres jeux sans aucun souci. Donc là, j'en ai aucune idée d'où peut venir le problème. Bon, on va se finir, je pense, la vidéo sur l'exécution. Je pense qu'on doit approcher les 40 minutes en tout. Les jobs qui restent à faire sont sur le. Ah, oh, ça, celle-là. Allez. Bon, on va finir la vidéo sur celle-là. Sur cette exécution. Et je pense que ça peut être pas mal. En 400 mètres, j'aurais dû prendre une voiture. Oh, tant pis. C'est pas grave. Bon, je peux pas courir plus vite, hein. Allez, vas-y. Chez nous sur le WC. Bon, c'était vraiment risqué, c'est pas ce que je voulais faire, mais le principal c'est juste survécu. C'est vraiment dommage de mourir à la fin de la vidéo. Un peu d'eau, ça j'en ai perdu. Allez, on va essayer. Bon, je vais me faire opérer tout de suite. Il y a rien là. Les rebelles doivent se prendre. Ah ah! Bon
cours. Ah oui, oula, oula, faut pas jeter dessus. Ah, c'est bon, je peux mourir maintenant, je m'en fous, j'ai fait la mission. Et ça, je peux mourir maintenant, la mission est réussie. C'est bon. Le prochain objectif est juste là en dessous de moi. Bon, allez, on va finir sur cette cinématique, parce que j'imagine qu'il y en aura une. Voilà. Merde, si vous saviez où je devais aller, vous auriez pu me le dire, non? Jason, ça sert à rien de t'énerver. C'est pas moi le héros de la fable, c'est toi. Je suis qu'un spectateur, d'accord. Mais j'aimerais que ça vaille le coup, hein? Laissez-moi passer. Non. T'as besoin d'un cours d'histoire avant. Hein? Ça te dirait? Oui, alors écoute. J'aimerais que tu regardes un instant ce monumental hommage à l'ironie. C'est foutu de jab. Ils ont formé une super unité de... Enfin, qui est vouée à la recherche de trésors servant à financer leur empire. Mais ces arriérés ont construit cette saloperie carrément au-dessus de ce qu'ils recherchaient au départ. Tu brûles de me demander qu'est-ce qu'ils cherchaient, Buck? Non. Je ne peux pas t'en flanquer une. Non, ça va. Mais tu sais quoi, j'ai mieux. C'est Kiss qui m'a traqué. Ils recherchaient cette connerie de Chao Yang. Un navire qui aurait appartenu à un célèbre général chinois. Mais le petit Rafio, il s'est envolé, disparu, avec tous ses trésors, incluant, oui, mon foutu canif. Allez, surtout fais attention à toi, la leçon est terminée. Oh, c'est le gros bordel ici, pendant la cinématique, je me suis fait mitrailler tout ce qu'on veut. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. J'entendais qu'il lançait des roquettes pendant la cinématique. Le mettre les ennemis en pause en attendant que la cinématique se fasse, mais il continue à m'attaquer, c'est génial. Bon, on voit que c'est du temps réel. Donc voilà. Notre prochain objectif est d'aller ici chercher un navire Jap, si j'ai bien compris. Parce que c'est tellement train de foutre le bordel en même temps que j'ai pas trop attention à ce qu'ils m'ont raconté. Donc voilà, on va rester ici pour aujourd'hui, pour cette vidéo là, on se donne rendez-vous donc pour la prochaine, en espérant qu'il y ait moins de bugs, parce que là, je pense que dans cette vidéo-ci, on a eu la dose. Voilà, on se donne rendez-vous pour la prochaine, salut, à plus.